et Thierry. J'ai lu face à face entre moi et Thierry. Il faut envoyer tous les coloris que tu connais, tous les bouddhistes que tu connais, tous les hadiths que tu connais. Et là, je te donne le sujet. Parce que c'est ça, tu me dis non, on me conditionne. On dit qu'il ne faut pas y insulter. Mais moi, je te dis que je ne te conditionne pas. Il ne faut pas insulter. Il faut dire tout ce que tu traverses la tête. Là. Il faut le dire. Moi, ma seule condition est ceci. Et je crois bien que cette condition-là, ça t'arrange. Ma seule condition est que c'est un face à face. Moi, c'est ce que je demande comme condition. Je ne demande pas beaucoup de choses. Un face à face, nous deux, nous et puis toi. Toi, tu sais que tu ne peux pas t'asseoir. Face à face. Très bien. J'accepte ça. Le débat est toujours lancé. Voilà. Et choisis le thème que tu veux. N'importe quel thème, je t'ai dit. Il faut choisir n'importe quel thème. Ça, c'est le thème. Les sept sceaux d'Apocalypse chapitre 6 jusqu'au chapitre 8. On parle des sept sceaux là-bas. Donc, tu vas donner les caractéristiques de chaque sceau. Et tu vas donner maintenant le sens. Premier sceau, ça signifie tant. Deuxième sceau, ça signifie tant. Et ces caractéristiques qui sont dedans là, tu vas expliquer. Voilà le premier thème. Donc, donner le sens ou bien expliquer toutes les caractéristiques de la femme d'Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 2. C'est tout. Voilà le thème. Il dit de prendre le thème que je veux. Donc, je prends le thème 3. Le thème 3, deux points. Explication de toutes les caractéristiques de l'ange puissant là et de sept tonnerres d'Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 4. Voilà le troisième thème.